je m'appelle Frédéric Bruyas, je suis lectrice publique. Aujourd'hui, je vais vous lire Une soupe aux cailloux, un album écrit et illustré par Anaïs Vaugelade, publié à l'École des loisirs, un album que j'aime énormément. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Lucien Alfonso, violoniste, chanteur, compositeur et beaucoup d'autres choses. On démarre. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Demande la poule. C'est le loup. La poule s'affole. Le loup! N'aie pas peur, poule. Je suis vieux. Je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu le loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande « Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. » « Une marmite ? » « Écoute, poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe. » Au caillou. Ah ben je ne sais pas. N'en ai jamais goûté. Alors le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou, ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Et c'est tout? Oui. C'est tout. Ah bah, moi, dans mes soupes, j'ajoute toujours un peu de céleri. Hein. On peut, ça donne un goût. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet, il frappe à la porte. Toc, toc. Toc. Est-ce que tout se passe bien? Entre, cochon! Le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux? Rien qu'aux cailloux? Bien sûr, mais on peut ajouter du céleri. Ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors le cochon court chez lui et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets, ils frappent à la porte. Toc, toc, toc. Entrez! Le loup, le cochon et moi nous préparons une soupe à cailloux. Et le cochon précise, avec un peu de céleri et des courgettes. Le canard, qui a beaucoup voyagé, prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux.
une fois, en Égypte. Oh, et qu'on y avait mis des poireaux, hein. Et qu'il s'en souvient bien, parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe, les poireaux. La poule demande au loup. C'est possible, ça, une soupe aux cailloux avec des poireaux. C'est possible. Alors le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux. Mais le mouton, la chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu entrer le loup chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper, la porte est grande ouverte. Que faites-vous? Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Bon bah, vous imaginez la suite, hein. L'un veut des navets, l'autre propose du chou, puis chacun court chez lui et rapporte des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée. Ils se racontent des blagues, ils discutent. La poule s'exclame. Oh, mais comme c'est agréable d'être tous ensemble, hein. On devrait faire des dîners plus souvent. Au début, j'ai cru qu'on mangerait de la soupe à la poule, dit le cochon. Et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ses terribles histoires pour avoir son point de vue. Mais l'eau bout dans la marmite et le loup y plonge la louche. Je crois que la soupe est prête. Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe trois fois. Puis de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le caillou. Ah. Il n'est pas tout à fait cuit. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. Vous partez déjà? Oui. Mais je vous remercie pour cette bonne soirée. Vous allez revenir bientôt, dit le canard. Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous voulez en écouter et en voir d'autres, il vous suffit d'aller sur la série « Deux yeux, dix doigts ». Au revoir. Thank you.